UPS TV Réseau. A tout réseau lié, interconnecté à travers mon plan. News, UPS TV Réseau. Yo équipe reporter, présentateur, connaît qui moun yo plan ak vision yo pour communauté. Yon seul réseau, yon seul équipe. UPS TV Réseau, référence. Chanter tabou pour vous cap fait dans Florida le 12 avec 13 août. D'ailleurs, nous supportons le mouvement ça. C'est tabou combo écrit pour tout le monde, tabou combo écrit pour toute génération. Donc, monde qui est plus belle voix pour chanter musique tabou combo, vient de choisir votre musique tabou combo. Vous voulez juste soit ça pour venir chanter tabou combo. Il y a un premier prix, deuxième prix, troisième prix. Et vous voyez, j'aime qu'on est, nous qui chantons tabou combo bien, nous qui réservons place pour nous dans tabou combo. Bye bye. Today, my administration is taking several steps to stiffen enforcement for those who try to come without a legal right to stay. Président Joe Biden, qui dépend la parole du 5 janvier 2023, a annoncé la utilisée loi sanitaire titre 42 pour mettre dehors sans perdre du temps immigrants nicaraguayens qui bien avec haïtiens qui traversent les frontières illégalement pour demander asile aux États-Unis. Même modèle administration a utilisé pour Vénézuéliens qui traversaient frontières et qui, par résultat, soutiennent 1100 demandes chaque jour pour mettre à 250. D'après un temps d'administration, a été joint avec Mexique en octobre passé. En retour, l'administration a annoncé la permettre jusqu'à 30 000 immigrants pays SAO, donc Nicaragua, Cuba avec Haïti plus Venezuela, entrer aux États-Unis chaque mois par voie aérienne. Président Biden a mis ça pour pays concernés dans le nouveau programme. Non. If you're trying to leave Cuba, Nicaragua, or Haiti, you have and we or have agreed to begin a journey si to America. Si vous partez de Cuba, Nicaragua ou bien Haïti, et sous d'accord pour commencer une vie aux États-Unis, pas présenté sous frontière, restez côté guia et appliquez pour asile légalement. À partir de jeudi, si vous pas appliqué dans le processus légal là, ou pas éligible pour participer dans le nouveau programme ça. Président Biden a ajouté tout l'ivo et par Congrès à un plan immigration compréhensif, mais les républicains n'ont pas le considéré ou bien approuvé l'argent additionnel pour nouveaux juges ou bien agents pour tendre demandes d'asile. Les républicains n'ont pas jamais suspendu. Critiquer ça, ils considéré souplesse qui existait dans la politique sécurité des États-Unis à pas appliquer sous frontière. Cependant, l'administration a dit la essayé de créer un système plus ordonné et plus humain. J'y par rapport à Vénézuéliens et tout. L'a commencé tout de suite, quitte ce jeudi à au soir demain, mais immédiatement nous allons commencer à faire programme ça accessible. C'est extrêmement important pour nous offrir une façon qui en sécurité, une façon humaine avec l'ordre pour les gens qui veulent venir ici aux États-Unis. Ils n'ont pas obligé de mettre la vie, l'économie, le bien-être en danger, dans mes contrebandiers qui la cause en pile mauvais bagages. Ça nous a fait dans le passé et que nous avons continué à faire. C'est déployer garde-côte états-unien sous la mer. Il y a des gens pour interdire et stopper les gens qui cherchent à faire voyage dangereux. Et puis retourner au Kiba ou soit dans l'autre pays côté au Soti. Tout dépend de circonstances. Nous ne disons pas prendre la mer. Nous avons trop de tragédies dans cause ça. Est-ce qu'on va attendre à une augmentation de la quantité de gens qui prennent la mer sorti Haïti à Kiba pour venir ici aux États-Unis, basé sur l'annonce ça? Mario Cas répond.
a grave mistake for people to do. N'a pas surveillé ça de très près. C'est un gros erreur pour moun faire ça. Yo pas réussi. Nous pral exercer autorité légale nous. Moun qui prend chemin irrégulier ça yo, chemin dangereux ça yo, non seulement yo risque la vie yo, mais yo risque la vie yo seulement pour yo échouer dans mission yo. VPX TV réseau. Information de bonne source. Et annoncement qui bail là gagne plusieurs volets là-dedans. Volet qui positif là c'est que moun qui sorti Haïti, Cuba, Nicaragua avec Venezuela gagne possibilité pour yo appliquer nan nouveau programme parole qui mette sous pied. Yo mette 30,000 et application qui pral disponible, 30,000 application qui pral disponible pour tous les quatre pays ça yo. Alors nous pas gagné un numéro qui dit mais combien y a bay haïtien, mais combien y a bay cubain, etc. 30,000 là c'est pour tout le monde en général. Qui monde qui capable appliquer pour lui? Depuis le monde qui sorti dans pays Haïti, pays Cuba, pays Venezuela avec pays Nicaragua, n'importe côté que ou y est capable appliquer. Ou capable appliquer dans pays d'origine ou si c'est haïtien, ou capable appliquer en Haïti. Si c'est cubain ou appliquer Cuba et dans l'autre pays Venezuela avec Nicaragua. Si que ou déjà Mexique ou capable appliquer Mexique. Mais si que ou Guatemala ou capable appliquer Guatemala, mais ou pas qu'à quitter Guatemala pour entrer Mexique pour venir appliquer après yo bay annonce là. Si que ou déjà sous frontière Mexique là ou essayer entrer aux États-Unis de façon irrégulière, yo apkembe ou risque soit déporté ou bien yo retourné au Mexique. Et si yo kembo yo retourné au Mexique, malheureusement ou pas capable participer dans programme parole là dans le futur. Yo fait ça dans une façon pour yo capable décourager moun entrer de façon irrégulière parce que yo connaît si qu'on fin entrer ou pas capable participer encore, alors ou risquer pas jamais venir aux États-Unis. N'a pas lié toute information pour qu'on sorti gouvernement américain pral bay plus information. Nous gagne réunion avec yo après-midi, n'a retourner pour nous capable répondre plus questions pour nous. Mais pour le moment, si que Haïti ou capable qualifier, si que au Brésil, Chili, Guatemala, Panama, Mexique ou capable appliquer, si que ou rete côté que ou yé. Welcome to Summertime. AJ Live Sound Production présente for the first time in Tampa. Festi Racine Summer. Samedi 24 juin. Depuis 4h de l'après-midi, Joupe Kassouet. Dans la Koutamba. Au programme, Ram, plus en forme que jamais. La Coupe. Venant directement d'Haïti. Yo Serozo, yo Pam Kassé. Koudjaï. Venant directement d'Haïti. Kessi Pamouri. Evli. Toujours à briller dans que nous-mêmes, peuple haïtien. Ram, pirouillé, pi frappé. Défilez tout nous la trier de DJ. Dans la Koutamba. Vin découvrir dans Tampa. Qui s'agène. La culture haïtienne, musique, manger, danse, en pile l'autre production encore. Pour un petit désarroi seulement, admission $30. La vue de Tikayo, Riven Bright, maître de cérémonie, Sony, belle en forme. You seul rendez-vous, Nana Koutamba, samedi 24 juin, 4h pile, Top Group Event Center, 5508, North 50e Street, Tampa, Florida, 33-610. Pour information, étiquette, Eric Jérôme, 813-422-8644, 813-367-73. 54. Notez bien, BPX TV Réseau, app live dans la Koutamba. Maintenant-nous tous, enjoy! Messieurs, mesdames fanatiques, dirimoyo, côté-nous, je dis à moi vin fait que nous content. La Reine Distribution a présenté nous, Rie la Reine, qui c'est un tout nouveau produit sous marché. Ou ap jwenn de kalite la dan, ki se diri jasmin ak diri golden chela. Diri lò ou m di ti moun fè, kom si n pa tande. Ou a gou pa ou, ou menm ki ta reme achete pou prepare la kayou. Chef yo, kote nou pou restoran, komersan yo ki ta reme achete pou revan, ebyen nou ven an gwo e an detay. Se sak pi bel la, nou fè livrezon tout patou. Monte kounya sou site web la ki se www.larenco.com. Pou plis informasyon rele nan 305-665-3632. Nous chita la 411 North First Center, Hallandale Beach, Florida, 33009. Riz la Reine, le riz de bonne saveur, dit riz bon goût, léger et sans paille.
production a présenté 3e édition Miami Fête Champêtre. Anessa, enchanté tabou combo. Qui est-ce qui est capable de remporter premier prix $5,000, deuxième prix $3,000 et troisième prix $1,500? Chantez n'importe musique tabou combo qui t'est toujours fort plaisir et tournez révélation tabou combo. Voyez en audio ou bien vidéo par email sur miamifetchampet@commercial.gmail.com ou bien par WhatsApp sur numéro ça 813-344-2424. N'oubliez, 15 juillet, c'est dernier jour inscription à fermer. Finale la fête, 12 à 13 d'août, dans Miami Fête Champêtre. Nous qui chantons depuis tabou comme vous vivez bien, nous avons réservé une place pour nous dans tabou. Anessa, un tout petit bon anniversaire pour 55 ans tabou combo dans Miami Fête Champêtre. Qui ça va obtenir? Frais d'inscription, $50. Pour plus d'informations, relais sous 813-344-2424-786-642-3535. Depuis Kounia, Miami Fête Champêtre avec BPX Production, abdi nous toutes bonne chance. Enchanté tabou combo. BPX TV Réseau. A tout réseau lié, interconnecté à travers mon plan. BPX TV Réseau. Yo équipe reporter, présentateur, connaît qui moun yoye, plan ak vision yo pour communauté a. Yon seul réseau, yon seul équipe. BPX TV Réseau, référence. Cette machine saisie, 10 armes à feu, munitions saisies pendant intervention opération police nationale là. Pour Pepiti, il y a 3 présumés bandits qui mortellement blessés selon Gary Desrosiers, porte-parole police nationale là, pendant une conférence pour la presse dans local direction générale là dans Clercine. Pour Pepiti, il y a 3 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement. Au niveau accident de circulation, il y a 7 morts par accident de circulation. 5 blessés, gagné 2 chaloupes qui confisquées. En total, gagné 770 arrestations et qui fait sous tout département. Porte-parole police nationale là qui part en mesure by information sous bilan opération la police menée dans entrée sud capitale là. Pourtant by assurance blindéo a patrouillé grand axe routier Matissan. Ça qui expliquait une baisse considérable dans ce qui concernait enlèvement dans le sud capitale là, selon Gary Desrosiers. Grand accident toujours gagné et des blindés, et parce que nous pas qu'à abandonner grand accident. Et ça qui permet tout que gagné une baisse considérable de kidnapping dans la zone ça, c'est parce que présence là li soutenu au niveau de grand axe qui baille accès à Matissan à tout côté de Gonaïo. Conférence pour la presse, bon côté la police baille, dans un contexte côté attaque contre diverses résidences entreprises a multiplié, notamment dans zone tabac, côté tout, divers cas kidnapping enregistrés dans Torcel et dans plein du cul de sac. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Pas que vous avez fait dans la ville, des petits moments déjà, c'est j'ai. Pas que vous avez fait ce que c'est machine qui me dit que c'est sauf que machine n'a pas préparation et l'institution qui t'a préparé là, parce que j'aime pas voir le bon. Donc, ce machine que nous avons aujourd'hui, c'est sous courtoisie diaspora avec réquisition de Kiel Tennis, Busta John, support Marodis, Olivier. Et c'est Mounsao, Mendou, qui est capable d'abonne, qui fait arriver la machine. Ça. Donc, c'est Kiel Tennis qui fait réquisition, qui demande le bon. Diaspora lui-même a accouché et puis. Ils travaillent avec nous, ils contribuent à eux-mêmes, ils font des machines. Donc, nous avons dit diaspora, merci à vous pour supporter et aider, qu'ils veulent le pays. Et nous avons construit le bataille pour eux, nous avons construit le travail pour eux, jusqu'à ce que demandent eux agréer. Donc, nous connaissons les plans aussi, nous venons investir dans le pays, nous connaissons les plans aussi, nous venons habiter, nous connaissons les plans aussi, nous venons en vacances, nous connaissons les plans aussi, nous venons investir. Et moi-même, comme commissaire gouvernement, pour maintenant,
qui m'a toujours campé avec eux, qui m'a toujours campé de mon côté. Quand tu as dit que c'est assassin, m'a toujours campé de faire face carrière avec eux. Avec Oussam Ben Dia, m'a fait face carrière avec eux. Avec Ben Dia, c'est pire. Commissaire Moussa Ben Dia. Qui a aidé le commissaire là, qui a machine ça? Et d'abord, c'est Médou, c'est TLT Dus. C'est sous demande TLT Dus, Diaspora, Acti Machine d'abord. C'est comme Diaspora avec comme Moussa John, Médou Foucoutou, ok? Et vous contribuez, je dis, pour Acti Machine ça. À quel sentiment, monsieur, pour Machine ça? Bon, quand même, son fierté quand même. Ok? Son fierté, son cadeau de moi-même. C'est bon cadeau de l'État haïtien. Son cadeau de Diaspora, sous réquisition TLT Dus. Commissaire ministre de niveau blindage machine ça, est-ce que le fait que c'est offri à profoul, c'est vous même qui te demandez à quel niveau pour vous blender ou bien c'est vous même qui choisit qui qualité blindage pour vous, puisque nous connaissons le travail là pas facile. Blindage c'est moi qui connais. Et moi qui connais la maison qui blende là qui connaît. D'ailleurs tout le monde attend, c'était un jour qui est blanc. Dommage, il va nous dire ça nous était sur Facebook là, qui a fait dilatoire, il va dire, il va jamais dire qui est blanc. D'ailleurs, que la machine a choisi, côté le passé pour le là. Donc si vous connaissez la vidéo, je dis à mon garçon, vous avez besoin. Ça veut dire que c'est pas sous bateau de venir, c'est. Ah, un peu de diversion que fait là. Ok. Ok. Nous faisons un peu de diversion pour le cas où il y a eu la journée. Ok. Et commissaire Miskadin, le fait que ou même ou c'est un responsable dans le niveau de l'État, ou c'est un travail pour l'État, et que machine ça ou même tout gagner, est-ce que et, ça ne peut pas aucun problème dans le niveau ministère de la Justice, puisque nous connaissons ou même sous contrôle ou sous compte ministère de la Justice, et que je dis, machine ça qui gagne, qui blende ou pour l'État, c'est pas eux même qui baoule, est-ce que pas aucun compte ou même pour rendre avec les ministères? Mais bandit, vous pouvez blender dans le même, oui. N'est-ce pas que vous pouvez blender? Vite, vous pouvez blender dans le même. Assassin qui m'a capturé mon n'importe quoi, c'est que l'endé. Donc, ça qui dérange son commissaire gouvernement, il y a une machine blendée. Qui ça qui dérange, il y a un commerçant, il y a un tribunal, homme d'affaires, une diaspora, qui vient d'un pays qui a vivre. Il y a une machine blendée. Et confirmer ça pour nous, c'est Muscadin. Mm-hmm. Si aujourd'hui, ou ça t'arrive qu'on décide de quitter pour ça, ou bien que tu as décidé de changer la donne, machine ça, il était une machine. Ça, machine bon, pas... et son nom, okay. Ça est diaspora FM cadeau, sous réquisition TLT Dus. Nous jouons support Marie-Luce Olivier, nous jouons support Foucault, nous jouons support Moussa John qui crape avec nous, qui baille l'argent. Ok? Ensuite, Diaspora, à travers tout le coin de la ville, déposer comme rien que déposer $1, rien que déposer $100, rien que déposer $500. Chaque monde baille tant qu'il est capable. Donc, nous disons merci, ni ça qui baille, ni ça qui pas baille. Et nous disons notre travail pour vous. Côté baille notre travail pour vous ou pas baille notre travail pour vous. Nous là c'est pour la peine là. Nous là c'est pour nous tirer là, nous là c'est pour nous continuer carré faire face carré à bandit. Voyez un message pour Diaspora qui est là pour vous. Mandeo, et maintenant que nous sommes dans Nibla. C'est pour nous mettre que nous déjà. Vous avez une investie, vous avez une belle carrière, vous avez une maquette, vous avez une restaurant. Vous avez toujours carré pour vous, vous avez toujours carré pour vous. Quand tu as M. Bandit, Nibla a toujours aussi mis ses bonnes. Tout le monde a fait comme ça. Vous avez campé, vous avez fait back, vous avez. Et le commissaire va commencer à travailler sur la machine ça à partir de quel moment? À descendre. Si je dis à la haute, mais qui bon, qui gaza dans la main, il marche dans la main. Et bon, obligé, pour me dépasser, je oublie de dépasser ça. Je ne garde pas ça à n'importe qui machine, je ne garde pas sur mon bicyclette. C'est la machine, machine qui va nous mener opération. Non, mener opération, c'est la machine mener opération. Mais ou pas de machine ça un peu tard, commissaire, puisque ça fait un petit moment déjà, je m'attendais, il y a trop de problèmes. Est-ce que monsieur c'est peur ou peur, venir ou pas venir encore, ou bien c'est ou même qui calme la situation? Moi, écoute, c'est chercher dans la gamme bagaille. Bien écoute, c'est chercher dans la rue. Ou bien écoute, c'est chercher dans la rue. Donc, les gars, plutôt passer par bateau. Puis on est dans la rue, on lui passe à la rue. Ok? Merci beaucoup. Merci. Apex Training Center, 12490 Northeast 7e Avenue, Suite 216, North Miami, Florida. 33-161. Téléphone 786-634-8488. Qui premier l'école technique haïtien-américaine que nous connaissons? Apex Training Center, c'est première école technique haïtien-américaine en Floride dans le domaine réfrigération, climatisation et appareil électroménager. Dans 7 mois, étudiants nous ont déjà paré pour installer, réparer et puis faire maintenance air conditionné. Machine à glace commerciale, chambre froide, freezer, cooler, water heater, machine à laver, machine à sécher, friteuse commerciale, four, frigidaire, microwave, etc. Depuis étudiant commencé classe, c'est pratique jusqu'à ce que le sorti. Leur étudiant gradué là recevoir diplôme Apex Li, certificat IPEA avec licence l'État Florida HVAC. At Apex Training Center, we offer training programs in the electrical and air conditioning fields. We also offer OSHA 10 and OSHA 30 in Creole for construction work. Pour information, 786-634-84-88. Monsieur, apprenez un métier. Apex Training Center, là pour nous. It's
officials. Whenever the culture gives front to a new member, the world takes notice. Saturday, July 8th, Belle Enfant presents HMI's newest electrifying band. It's the grand premiere of Flambé. Flambé will be making their debut performance for an event you can't miss. Saturday, July 8th, inside of Casa Chopin, 7920 Pines Boulevard, Pembroke Pines, with an exclusive performance by Queen Omaya. It's Queen Omaya Live with special guest Saida of Sigling. Saturday, July 8th, the party's at Casa Chopin in Pembroke Pines for the grand premiere of Flambé. Admission is only $30. For info and VIP, call 954-983-5046 or 203-273-0730. Don't miss it. Distance pas problème encore pour nous consulter docteur nous. Technologie a bonne possibilité à nous profiter. Sous track ça, bon parler nous de Fast Telemed Membership de Dr. Franz Saint-Ville. Li nan 15 North Florida Avenue, Tampa, Florida, mais pour capable consulter n'importe côtoyer la caillou dans machine nous dans travail. Surtout ou même qui fait entrer pas bon ici a, bagay yo koko fin trop bon nan men, programme ça c'est pour même la coûte yo seulement $150 pour toute année à peu près $12.50 par mois. Ou paye par Zelle, Cash App, Credit Card, Money Order, jan pi facile pour ou. Quel que soit côté où il est en Floride, ou à consulter, il y a bonne prescription. Si vous avez nécessité examen, il y a pour vous à le faire. Si vous avez besoin de faire radiographie, il y a pour vous au côté plus près là. Il y a pour vous résultat à bas et puis mes traitements. Si vous avez nécessité un autre docteur, il y a préféré Fast Telemed Membership, c'est consultation sans limite. Vous faites attention si cholestérol, infection et la trier. Vous connaissez qui j'en ai souffri. Et ou pas gagne assurance, programme ça c'est pour oui ou inscrit jodi a dans 2 jours ou capable commencer jouer programme là. Relé pour inscrit jodi a même. Yo parle créole 813 264 7300 813 264 7300. Encore c'est 813 264 7300. Et d'empathie pour de meilleurs résultats. Dans ce lieu de ténèbres, rien n'était petit et surtout pas l'appétit. Tous nos gaillards sur leur rue de mâchoire broyaient, dévoraient tout et disaient, sans nul propos dérisoire, que tout était bien de leur goût. Mais, soit négligence, soit chose faite exprès, l'eau, qui n'était pas près, brilla par son absence. Sapristi, dit le bœuf, c'est une absurdité, n'est-ce pas, mes amis, que je suis insulté? Manger sans boire, est-ce possible? L'un sans l'autre est chose inutile. Cette journée nous rappelle l'importance de la fonction publique et notamment, dans notre cas, à des personnes, des cadres ou des membres du personnel de soutien qui se dévouent chaque jour à l'accomplissement de leurs tâches ou de leurs responsabilités
à l'intérieur au ministère de l'Environnement comme à l'extérieur au service des communautés. Dans l'occasion, journée mondiale fonctionnaire, ça, pour moi, de nous, tout en que nous sommes capables de renouveler le comportement, ça, renouveler la solidarité, l'amour, ça, une pour l'autre. Moi, je voulais dire de façon spéciale à Premier ministre Ariel Henry, merci en pile. Peut-être, comprendre ni comprendre dans la situation fonctionnaire publique. Li fait sacrifice, li mande nous faire sacrifice. Li mande ministère des finances, de l'économie des finances, travail, fait sacrifice. Malgré recette la mec, malgré problème de sécurité paralysé, yon parti l'an pays, pas gen entrée. Mais te comprenne nécessité que fonction publique l'an, moun ki occupe fonction ça, c'est moteur qui pou fait l'état marcher. C'est ak zon n'ap travay. Parce que l'État a joué. Nous continuons à compter sur nous. Nous avons compté sur moi, nous avons compté sur DG. Ensemble, pour nous avancer. Appel à la solidarité avec l'amour. Bonne fête, fonctionnaires. Bonne fête à tous les fonctionnaires. Bonne fête à Déa. Bonne fête à Yvette. Bonne fête à Clarence. Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir pour nous, pour le ministère de l'Environnement, d'honorer ce fonctionnaire de 16 ans de carrière. Il répond au nom de... Au nom de... La Reine! Ministère de l'Environnement, honoré mérite à M. Clarence Carlis, service comptabilité, en signe de reconnaissance pour ses 16 années de dévouement, de discipline, et l'assiduité au service du ministère. Pour Brest, le 22 juin 2022, James Calais, ministre. Félicitations. Bravo, bravo. Honneur et mérite à Madame Magali Joseph Pécrin, bureau du ministre, en signe de reconnaissance pour ses 6 années de dévouement de discipline et d'assiduité au service du ministère. Donc, on remet la plaque au secrétariat du ministre. Solo quiero saber lo que piensas, habla claro y verás que soy yo, la que al fin dice adiós sin problema. Quisiera saber si tu amor se acabó o si existe alguien más que te quiera. Yo te derrumbo el camino y me voy. Solo quiero saber lo que piensas, habla claro y verás que soy yo, la que al fin dice adiós sin problemas. Pendant tout son parcours à l'école, M. Félien a su faire la différence au sein de l'institution. C'est à ce titre qu'il a été désigné fonctionnaire de l'année et est honoré à l'occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale de la fonction publique, ce 23 juin 2023. Monsieur Asselin Casséus, il est responsable du site Marron et Connu depuis il a déjà 5 ans de service au sein de la fonction publique. Il a déjà 5 ans au sein de la fonction publique. Il a été recruté au sein du PNCS en octobre 2018 en tant qu'agent administratif 2. Il est promu professionnel senior 1 attaché à la direction des ressources humaines de l'Institut en octobre 2019. Grâce à son rendement très satisfaisant, il a reçu une nouvelle promotion en octobre 2022 à titre de responsable du site de Marron et Connu. C'est à ce titre qu'il a été désigné fonctionnaire de l'année et honoré à l'occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale de la fonction publique.
publique à l'hôtel Montana ce 23 juin 2023. Et voilà, nous allons continuer avec notre groupe d'officiels qui vont se charger de remettre les plaques aux fonctionnaires. On fait appel aux directeurs généraux de l'ONU, de la DGI et des deux conseillers de la CNMB. Le directeur de cabinet du ministère du Tourisme, la directrice de cabinet du ministère du Tourisme et le protecteur adjoint du citoyen. Également le directeur général du ministère des Affaires étrangères. On demande à ces personnalités de bien vouloir nous rejoindre pour qu'on puisse continuer la remise des plaques. On appelle à présent M. Joseph Mackenzie Gaston, qui a déjà 12 ans de service au sein de la fonction publique. Il nous vient de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC. Il a intégré la fonction publique en décembre 2009 en tant que stagiaire à la direction de la sûreté de l'OFNAC, mais officiellement nommé inspecteur de sûreté de l'aviation civile à cette année, à cette même direction, en avril 2011. En juin 2015, dans le cadre d'une réorganisation structurelle de l'institution, M. Gaston est promu inspecteur chargé de dossiers de gestion de crise rattaché à l'unité du contrôle de la qualité. À ce titre, il a eu l'appréciation de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues, tant par son esprit de service, son caractère respectueux, et en juillet 2021, il a reçu une nouvelle promotion en tant que chef de service chargé de la réglementation et de la formation. Poste qu'il occupe actuellement. C'est à ce titre qu'il a été désigné fonctionnaire de l'année et est honoré à l'occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale de la fonction publique. Madame Dorni Akalia Dorimain, on accueille chaleureusement Madame Dorimain, elle nous vient des Archives nationales, ANH. Elle a été recrutée dans la fonction publique en juillet 2010. À titre d'assistant comptable en chef. Dans son environnement de travail, à risque, Madame Dorimain s'est distinguée par sa ponctualité et son dévouement. C'est sur cette base qu'elle a été désignée fonctionnaire de l'année et est honorée à l'occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale de la fonction publique ce 23 juin 2023. Madame Miguelita Fussier, elle a 12 ans de service au sein de la fonction publique et elle nous vient de la Direction nationale du livre, la DNL. Et elle a travaillé comme bénévole pendant 2 ans au Centre de lecture et d'animation culturelle, CLAC, du Trou du Nord avant de rejoindre la fonction publique en tant qu'administratrice assistante du CLAC en 2011. En 2013, elle a accompagné avec dévouement la gagnante nationale du concours Lire le livre, organisé par la Direction nationale du livre. Suite au départ de l'animateur principal pour les États-Unis en 2022, Madame Fussier a fait preuve d'un leadership remarquable, de détermination et d'une grande créativité pour maintenir le cap du centre et attirer de nouveaux publics. C'est à ce titre qu'il a été désigné fonctionnaire de l'année et est honoré à l'occasion de cette célébration ce 23 juin 2023. Ricky Productions, along with 3/5 Edition Generation in One Night, presents the Santo Domingo Caribbean Festival, July 13th through the 17th. 1 week of nothing but the biggest event. Destination, Puerto Plata, Dominican Republic, performing live. Direct from Nigeria, Wonder Bantan, Team Vice, Mascoban, Misty Jones, Toto Michel, Vlog Lavi, Tian Cito, Steve J. Bryan, Kai, DJ Snacks, Kenny Way, DC, Darlene Desca, Estas, Martin Alexon, DJ Light, Latin Super Average, Ludo A, Andy B, Solin Bato, The Santo Domingo Caribbean Festival, July 13th through the 17th. Tickets are on sale now at SantoDomingoCaribbeanFest.com. For info, call on WhatsApp at 801-623-1920. Be there! Allô?
Allô, oui, quand on est là? Ben là, je suis au volant. Qui ça? M'a conduit. Moi, non, Charlie Bloom. Gen piyay, gen cadeau. Qui ça dit? Gen piyay, gen cadeau. J'arrive tout de suite. Piyay, piyay, piyay. Shelley Bloom's Fashion Clothiers. Toi costume, toi mouchoir poche, toi cravate, toi chemise, toi pay chaussette. 373 Shelley Bloom, Shelley Bloom's Fashion Clothiers, number one in America. GPI, GKDO, nan Shelley Bloom, kon samble dou. Non pas c'est Zulmi. Zulmi Art Gallery, c'est une source de joie, d'amour, d'admiration, de paix et de satisfaction. 3600 Pembroke Road, Pembroke Pine, dans Kemirama, Florida, 33023. Tableau Kaj Zulmi raconte histoire, mes amis. CD Zulmi en poésie, vous et nous la caille. Li poème Zulmi, fait nous méditer. Artisanat Kaj Zulmi, c'est un cri. Qui route pour nous faire pour nous Kaj Zulmi Art Gallery? Meni. 3600 Pembroke Road, Pembroke Pine, dans Kemirama, Florida, 33023. Email adresse loud1dl@hotmail.com. Téléphone dans c'est 954 829 7735. Ou besoin faire une décoration pour caillou, Zulmi Art Gallery là pour aider. Ou besoin faire un monde qui cher à ou même un gros cadeau, Zulmi Art Gallery. Téléphone dans c'est 954 829 7735. Notez bien, on œuvre d'art pas de prix. A tout réseau lié, interconnecté à travers mon plan. Yo équipe reporter, présentateur, connaît qui moun yoye, plan ak vision yo pour communauté. Yon seul réseau, yon seul équipe. BPX TV Réseau, référence.